Quỳnh Nga xin kính chào quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn đặc biệt của chúng tôi với trưởng nam của Vua Duy Tân là Hoàng tử Bảo Ngọc George Vĩnh San. Hoàng tử Bảo Ngọc George Vĩnh San, ông sinh năm 1933 tại đảo Réunion, nơi Vua Duy Tân bị lưu đày năm 1916. Hoàng tử Bảo Ngọc George Vĩnh San hiện là một công chức về quan thuế tại đảo Réunion. Vào năm 1987, ông đã xin phép ba chính phủ Trung Phi, Pháp và Việt Nam để rời mộ phần của cựu Hoàng đế Duy Tân từ Trung Phi về cải táng tại An Lăng, Huế. Ông đã đến Hoa Kỳ lần này theo lời mời của nhà xuất bản Mỏ Làng để tham dự buổi ra mắt sách Hồ sơ Vua Duy Tân của tác giả Hoàng Trọng Thượng do Mỏ Làng tái bản lần thứ nhất. Buổi ra mắt sách được tổ chức tại Houston vào ngày thứ Bảy 2 tháng 10 năm 1993. Bonjour monsieur, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour, je vais très bien. Monsieur, aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous inviter à la télévision Vietnam Vision of America Network. Maintenant, quand votre père, nous, vous serez aimable de parler un petit peu de votre grand-famille? Permettez-moi avant de vous remercier et de présenter mon bonjour amical à tous les Vietnamiens de Houston. Et leur dire que je suis particulièrement heureux de leur adresser quelques mots aujourd'hui. Mais pour répondre à votre question, parler de mon père. Mon père est né au début du siècle. Il a régné sur le trône du Vietnam jusqu'en 1916. Puis, par sa révolte contre les autorités françaises, il a été déporté à l'île de la Réunion. Il est arrivé dans l'île le 20 septembre 1916 avec son père Tam Tai et très jeune encore, il a dû poursuivre ses études à Saint-Denis de la Réunion. Mon père était un homme très calme, très réservé. Il se passionnait pour tout ce qui touchait les sciences. Il aimait les arts. C'était un sportif, puisqu'il faisait de l'équitation. Il était aussi bon escrimeur. On le reconnaissait comme tel. Oui. Et un de ses violons dingues aussi était d'être pêcheur. Il allait pêcher au bord de la mer. Il aimait beaucoup la lecture, il avait une très 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 belle bibliothèque oui. Où souvent on se disputait pour pouvoir lire les livres qu'il lisait. Il a développé sa vie de déporté politique dans l'île et il a su garder une attitude très digne malgré sa condition difficile. Mais peut-être qu'il faut que je vous laisse traduire un peu, non? Et maintenant, tu es le fils aîné du roi héros du peuple Duy Tân, Duy Tân vietnamien. Que pensez-vous de votre père? Mon père, c'était un bon patriote. Lorsqu'il a fait sa révolte, il l'a fait en ne pas s'occuper de son trône, ni de tous les avantages attachés à sa fonction. Oui. Il a fait sa révolte en tant qu'homme, en tant que patriote du Vietnam. Ce en quoi je pense que c'était un homme bien. Et je le considère, moi, comme un homme qui a beaucoup sacrifié de sa vie. Oui. Pour le Vietnam, et oui. C'est pourquoi je le vénère. Et tant vietnamienne, que pensez-vous de la situation du Vietnam aujourd'hui? Là, c'est une question un peu plus difficile à répondre. La question vietnamienne, les problèmes qui se posent au Vietnam, je ne peux avoir connaissance de ces choses-là,
que par journaux interposés. Donc, il m'est difficile de porter un jugement sur la situation au Vietnam, mais on peut, puisque les experts ont étudié ce problème, je peux dire qu'il reste beaucoup de chemin à accomplir en ce qui concerne le développement économique, social et financier du pays. Le régime actuel, le régime marxiste-léniniste actuel, n'arrive pas à résoudre tous ces problèmes. Il faut attendre encore. Et je pense que le Vietnam a un grand potentiel devant lui, tant matériel qu'humain. Hein. Et la situation ne permet pas d'utiliser tout ce potentiel pour son développement. Il faut attendre donc que les choses soient plus libres, plus démocratiques et plus solidaires. Oui, ça va bien. Et quelques impressions, et quelques votre impression à propos du gouvernement et la violation, le droit de l'homme, de la démocratie et de la liberté du communisme du Vietnam aujourd'hui. Comme je viens de dire, il m'est très difficile de porter un jugement ne vivant pas dans le pays. Je sais qu'on rapporte qu'il y a quelques violations des droits de l'homme, que les libertés d'expression ne sont pas encore reconnues à tout le monde, qu'il y a aussi la non-reconnaissance du pluralisme démocratique. Tout cela me fait dire qu'il faut encore attendre pour que les droits de l'homme soient entièrement respectés. Hein, il faut que le Vietnam s'accorde à respecter d'une façon très fondamentale les libertés individuelles et ses droits de l'homme. Mais porter un jugement sur ce qui se passe, comme je viens de vous le dire, il m'est très difficile parce que ne vivant pas dans le pays, je ne peux que me faire un jugement, mais un jugement entaché peut-être d'a priori. Et ce ne serait pas un jugement convenable. Est-ce que ça vous arrive à penser un jour à retourner au pays natal? Ah oui, le Vietnam est un pays merveilleux. Et j'ai eu donc l'occasion de m'y rendre en deux fois. Et je pense que lorsque je reprendrai ma retraite, méritée, que j'irai refaire un tour, peut-être pas pour y habiter dans les médias, mais revoir un peu ce beau pays du Vietnam. Oui, oui. Et est-ce que c'est la première fois que vous partez de l'île de Réunion? Non, ce n'est pas la première fois que je quitte l'île de la Réunion, mais c'est la première fois que je quitte l'île de la Réunion pour me rendre aux États-Unis. Ah oui. Je suis venu aux États-Unis à l'invitation de l'auteur du livre, hein, Le Roi du Hétan, oui, et de son éditeur, M. Tien. Ils m'ont fait l'amitié de m'inviter. Oui. C'est pourquoi j'ai plaisir aujourd'hui d'être à Houston avec vous. Oui. Et maintenant, qu'en pensez des gens du pays qui vivent aux États-Unis? Comme moi, comme tout le monde, ici à Houston et à San Jose, en Californie. Oui. Eh bien, j'étais très surpris lorsque je suis arrivé ici de voir cette grande colonie vietnamienne vivre en harmonie avec le peuple américain. J'ai toujours l'impression que le génie vietnamien rend nos compatriotes capable de s'intégrer partout et de d'affirmer leur identité, oui, tant au niveau culturel qu'au niveau de leur individu. Et je m'aperçois que souvent, hein, bien souvent, en grande majorité, ils réussissent d'une façon extraordinaire.
Et ça, c'est montrer que le Vietnamien possède ce génie où il est capable, malgré sa condition d'émigré, de se mouvoir à l'intérieur d'une société qui n'est pas la sienne, hein, d'une façon vraiment remarquable. On les trouve dans tous les secteurs d'activité, plus particulièrement le commerce. Oui, c'est ça. Maintenant, je dois arrêter notre conversation ici Oui. parce que nous n'avons pas de temps. Et je vous remercie beaucoup de votre temps de venir à cette émission télévisée. Eh bien, c'est Et moi qui vous merci, monsieur. remercie. Au revoir. Merci. Kính thưa quý vị, vì thời giờ có hạn, chúng tôi nên phải ngừng cuộc phỏng vấn ở đây và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.